Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Oui, madame, on a GKM Télévision, fidèles abonnés, chers internautes, et c'est mon ami Koye Babino, et Bélé Nabolandi, émission Debout Congolais, du Pays Nyon Sobozami, à travers République démocratique du Congo, comme d'habitude, en habitant de Nabino, Samba, Olonga, Pessibino, bon début de semaine et bonne capacité d'écoute. Na la voix des éclairés au Tobengaka, émission Debout Congolais, justice Yanzambe, Toye Bakayango, qui est. Les alaka incontournable justice en Zambie moto mon côté Aïcha Paka na contrôle na ngo ili koloba ete nyonso to sala kaiza na litomba na yango soki na sa moyo batu bazubi sote topé to futi pona mabe na bisote sachant bien que même dans les délais nous finirons par payer les prix de nos actes na yango salaka kaka malamu. Pour nous, nous avons le rôle de mabe pour que nous puissions faire des choses. Donc, nous avons le croire qu'en dehors de cette vie sur Terre, il y a toujours un autre futur qui peut nous attendre. Réparer, Bungisa, il y a un mot que justice en Zambé et attaque à moto T. Actualité, Nabiso Ezali dominé premièrement na réponse à Denis Mukwege na Félix Tshisekedi, en tout cas pour na docteur prix Nobel de la paix Denis Mukwege na makambo etali notion à jar, il est nullement question de sexualité comme l'ont prétendu certains esprits qui ne manquent pas d'occasion pour mentir. Awa toko yoka ndenge nini prix Nobel de la paix candidat président de la République Denis Mukwege a profiter na occasion azalaye ko s'adresser na jeunesse kinoise pour na kotali sa bango ete compréhension notion du genre ou ezali ko tambola na ba media ezali mauvaise intention ezali ndenge ya lingai ko lobate il ne s'agit pas de la sexualité mais ezali question moko ezali ko tala makambo ya parité ba droit ya ba femme égalité tout ça. Bon observateur rebelle balandi ba propos na baza ko mituna, c'est une façon de s'échapper na ba propos oyoyé déjà tena qui est là qui est responsable. Quelle différence y a-t-il entre l'introduction à la notion du genre et le ministère du genre qui existe déjà et qui se porte bien à l'ère de Félix Tshisekedi? Nous allons revenir avec vous tout à l'heure sur cette actualité. Sangwami Balé Singeli Tshweba a été vice-premier ministre en charge de la défense. Monsieur Jean-Pierre Bemba a confirmé le renforcement de la coalition M23 armée rwandaise dans plusieurs zones sur l'axe Rutshuru-Centre, Kiwanja, Kinyandoni et qu'une colonne de troupes RDF en provenance du Rwanda aperçue lors de son passage de Kibumba. Ougari en direction du parc national de Virunga pour renforcer le M23 dans les Rutshuru et Nyiragongo vers le parc de Virunga. Donc, ministre de la Défense, il y a Siliko Talisa, il y a Milongo, il y a Basoda, il y a Basoda, Rwanda, Basali, il y a la RDC pour renforcer la position, il y a M23. C'est ce qu'il a fait savoir lors du conseil des ministres. Qu'est-ce que vous allez retourner? Est-ce que FARDC a continué à la force observatrice toujours cesser les faits pendant que l'armée rwandaise est en train d'entrer dans les sols congolais? Mais tout le monde a été en train de analyse sika awa. Pendant ce temps, hier, c'était encore chaud entre les Wazalendo. Et les M23, ont été surpris en pleine parade. Donc, il y a eu des affrontements, des bandades du côté M23, plusieurs morts. Mais les Congolais n'ont pas encore digéré le fait que Kitanga est tombé encore entre les mains
de l'ennemi, nous allons tenter de savoir les pourquoi. Pourquoi nous n'arrivons pas, gouvernement, force loyaliste, même nos mouvements, nous n'arrivons pas à maîtriser, à bien consolider nos positions dans les cités qui sont, que nous arrivons à arracher entre les mains de l'ennemi. Donc, on a fait une émission pour nous. Ma village, ma cité, où ils ont récupéré, ils ont pu y aller sous facilement. Dans ma boko, il y a des ennemis. Il s'agit de quoi pour nanini, ba wazalendo, ba perdre Kichanga. Ba vérité, quoi, ba nana kati na émission oyo. Tokozo nga l'appel du sous kaka na kati émission pour na kolobela. Rencontre et salimaki entre président kenyan, monsieur Ruto, na Joao Lourenço, président Angola. Au menu de leur échange, il s'agissait, il y a question à M23. Selon Bango, selon le président Joao Lourenço d'Angola, nous avons bien progressé ensemble, mais nous avons stagné sur un point. Il faut que les cantonnements du M23 soient achevés. Les deux dirigeants ont déclaré que si la milice M23 rejoignait une garnison militaire, cela faciliterait l'instauration de la paix dans la partie orientale de la RDC. Est-ce la diplomatie tant entendue pour que enfin tout trouver solution à M23 ou derrière rencontre le président angolais na président kenyan se cache une autre réalité de révélation ezali na kati ya émission oyotoye ba tina penda to pe mutuya ya beaucoup tani ya président ya Angola Joao Lourenço na président ya Kenya pona makambo etali M23. Est-ce que cela impacterait sur à venir y a cessé les faits où les Congolais basaient pour arriver les soucis pour justifier été. Na basi mituna na bune zoko makaka ebele biano c'est toujours dans cette émission. Nous parlerons aussi dans cette émission d'un complot. Complot wana yango yebani à travers ce monsieur activiste d'un mouvement citoyen qu'on appelle Victor Tessengo pris les mains dans le sac. Azako dévoilé ningeni bazali na plan na kati ya opposition. On a besoin de pouvoir de force, Batimbi Bangona Kinshasa pour na recruter ba jeune au bazan influence pour préparer événement moko bango baza ko banza ko sala rapprochement nini ba propos wana topé makanisi wana ezali avec makambo ba opposant mususu bazali koloba avec makambo peut toujours kobima na monoko ya abé Chole. Nous allons y revenir avant de terminer notre émission. Parenthèse émission Oyo. Tozonga na circonscription électorale ya Ilebo pona kolobela conflit moko ezali pona ezako opposer bande kona biso ya territoire ya Ilebo Oyo ezali présenté d'une certaine manière par la sénatrice Victorine Louessé qui pense que le tribalisme est en train de gangréner en tout cas na institution provinciale topé na administration territoriale ndé na koyi kolobela yango to kolanda e awa to yeba pe vérité bombami et pa iwapi. Est-ce qu'il y a tribalisme na administration territoriale ya Ilebo? Qu'est-ce qui se passe aussi na ba agent ya CENI oyo bazali na circonscription électorale wana to kende kuna pona kolobela vérité wana ndé yango to aussi les émissions na biso na pe sibino Matondo mingi ndenge vous a déjà fixé na bonne fréquence pour na kolandaka émission na biso na pesi matondo na ba union so ba koma déjà ba éclairer les plus de 35 000 abonnés à GKM télévision. En tout cas, je vous salue et vous remercie pour votre fidélité et votre confiance renouvelée. Continuez à partager cette émission, continuez à liker, partagez surtout avec le voisin. Il faut GKM télévision et koma ko éclairer mon kilimo bimba topé ba congolais nyonso à travers Bino, ce qui peut aussi peut les côtés commentaire, en tout cas il faut ça là un mot. Tiquez les commentaires, vous allez faire des scènes à monter, mais depuis Wapi, vous allez peu aux alendo, depuis Wapi, on reste debout, toujours debout, bendez les téléphones, émission à Bisso, et Mkula Lilo, et Bandi, Makamu sérieux. Ndenge, Nasilaki, Koloba, il s'agit de quoi, na sommaire, nous avons parlé de la réaction de Denis Mukwege. Après plusieurs semaines, Oyo Denis Mukwege a déposé sa candidature naie et que Tolé Moko vraiment ba propos naie et défraya qui chronique concernant introduction, y a notion, y a genre. Le docteur Denis Mukwege ne s'était
pas encore prononcé personnellement pour nous expliquer les Congolais introduction à la notion à Jaron et à Lubaki avant dans le contexte. Mais nous avons vu des réactions même sur notre plateau concernant notion à jar Oya Evokaki. Je vous laisse d'abord suivre ses propres propos concernant notion à jar Simandé Tozongi. Tout le monde connaît mon combat pour les droits de la femme. Et c'est pour moi le combat essentiel dans notre société où la femme est souvent reléguée à la dernière place dans l'attribution des responsabilités dans la gestion de la société. À formation égale et à responsabilité égale, hommes et femmes doivent prétendre au même traitement et à une égalité salariale et une considération similaire. C'est ça notre enseignement vivant. Il est mouvement. Il est donc mouvement. Il met uniquement en question des sexualités. Il est donc uniquement en question des sexualités, comme l'ont prétendu certains esprits qui ne manquent pas d'occasion pour mentir. Et à nous de nous poser la question, est-ce que d'une mauvaise source peut jaillir de l'eau potable? La réponse est non. Chers compatriotes, le modèle d'hygiène dont nous avons besoin pour réparer notre pays et le rendre viable est défini par un grand penseur du premier siècle qui dit, je le cite, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Jusqu'à ce qu'elle revienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Que personne ne néglige votre jeunesse. Et ça, vous devez le tenir en tête. Puisque lorsque quelqu'un se permet de négliger votre jeunesse, il vous traite comme si vous ne pouviez pas participer à la construction de notre pays. La jeunesse est comme une plante qui a besoin de soins avant de donner les fruits. Tout mauvais traitement impactera négativement sa production. De même, la jeunesse a besoin de soins spéciaux tels que l'enseignement, la culture, la lecture, la bonne santé pour pouvoir grandir dans des conditions et donner du bon fruit. Et toutes ces conditions pour une croissance normale de notre jeunesse sont prévues dans notre constitution. Mais malheureusement, notre constitution n'est pas appliquée à notre jeunesse. Et je vous demande d'aller lire les articles 35, 36, 42, 43 et 40, 45 et 46 de notre constitution pour vous rendre compte que vous avez plein de droits, mais qu'on vous donne. Voilà. Wana Bolandi Ezali, ma propos Oyo et Kriaki débat. Le docteur Denis Mukwege, Azad docteur, c'est un bon lettré dans le cadre à Congo, à Kumbiloba, Azali intellectuel. Kobisopé na Congo, tout ça, la définition na bisomoko intellectuel. En tout cas, il est sûr de ses mots lorsqu'il est en train de dire son discours, à l'objet clairement qu'il faut aussi introduire la notion du genre.
On ne sait pas si notre docteur s'était perdu dans son allocution ou bien Azaki na maîtrise Yabamon a été pour parler de l'introduction na notion ya genre. Batu oyo bazali éveillé le kola biso nyonso toyebi ce que signifie la notion du genre. À l'ère d'aujourd'hui, na époque où tozali na ba nation oyo bazali ko utiliser concept ya to ya genre, notion ya genre na modernité nango toyebi ke soukanango ezali ko sala ete ba papa ba koma ba mama ba koma ba papa bana na biso ba tangi sa bango qu'il faut respecter les homosexuels, on peut être de sexe masculin féminin et puis changer devenir homme ou devenir femme si vous en avez envie, si vous vous sentez femme alors que vous êtes homme, c'est possible qu'on vous accepte, qu'on vous opère. Toyebi ke eswaki ba propos bolandi ya docteur Denis Mukwege et Glalisa qui est pour guider. Mais pourquoi avoir pris beaucoup de temps comme ça pour réagir? Les docteurs, les questions qu'on se pose. Yo olubaki malamu ndenge touti kolanda, il faut introduire la notion du genre. Mais pourquoi pendant que makele le salami un mois nyonso elandani awa docteur a réagi ça qui était? Je voulais suivre la réaction du docteur tango a vu pendant temps ya koya ko répondre. Je crois que c'est une façon de communiquer qui ne vous permet pas d'aller loin. Un jeune instruit, patriote, qui a bénéficié des avantages que donne la Constitution, devrait prononcer plutôt des paroles de sagesse et donner des conseils et des orientations qui aideraient les autres jeunes dans l'éducation de notre pays. Le deuxième point, c'est vous devez être le modèle en conduite. Votre conduite doit être irréprochable. Dans vos actes, vous devez faire la différence. Même si tout le monde fraude, restez intègre. Même si tout le monde se compromet, soyez irréprochable. Peu importe comment les autres vous regardent et vous jugent. Soyez assuré que vous êtes dans le bon en restant intègre. L'intégrité sera votre tremplin pour la réalisation de votre rêve. Aucun jour, on vous reprochera d'avoir été intègre. La charité est la capacité d'indignation face aux malheurs qui frappent l'autre et la capacité de le prendre en charge. Elle nous manque terriblement. Le manque de charité dans notre pays fait que le bien commun est consommé par une petite minorité de notre société en laissant la majorité de notre population, dont la jeunesse, dans une pauvreté extrême. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, cette capacité de s'indigner dans notre jeunesse n'existe plus. Chers jeunes, indignez-vous, indignez-vous. 2-1. Voilà. Déjà, Kazaka, il y a politique, il y a la facile, il y a pour l'attaquer. Docteur Nabiso, aza kozwa douche froide ya ndenge politique za kosalema ndenge scène politique ezalaka. En tout cas notre reporter docteur a 8 ans nyonso ya kozala bien rodé l'équipe naya se choisir outre Albert Moleka qui s'était choisi un ancien cadre de l'UDPS, ancien directeur de cabinet de Tien Tshisekedi, il s'est fait entourer aussi aujourd'hui de Didier Mengi qui a travaillé avec Mouzé, un candidat aussi perdant aux élections de 2006. Yewanande Lelo Azali, directeur de campagne, il y a Denis Mukwege. La question qu'on pose au Bazabutuna, sénateur Didier Mumengi, ancien ministre de l'Information, sous la présidence de Laurent Désiré Kabila, Yewanande directeur de la campagne, il y a Denis Mukwege. Est-ce que les alliés conseillent à Yende Moutoussali que docteur Nabiso Denis Mukwege a zongé la propos naïe? Ndenge Tosili Kolanda, Denis Mukwege, il ne s'agit pas, selon lui, de la question de sexualité. Yé Azalagi Nekoussa l'allusion à la sexualité te. Question hier à Soulouvaki, Ezalagi Kaka par rapport
il y a égalité des chances, ou déjà tout le belaka, parité homme-femme, égalité des chances, qu'on promouvoir l'éducation et à Bassi, qu'on permettre à ce que Bassi n'a mis pas les bases au salaire égaux, et voilà de quoi lui parler. Ah! Cher docteur, vous pensez qu'avec ces simples mots, vous allez convaincre les Congolais? Parce que les Congolais ne votent pas, surtout les compétences. Nous sommes dans un pays où les Congolais voient la personne. Il s'agit du crédit. Est-ce que Mouto et Otoui Kopé ça y est confiance avant de voir autre chose? Notre docteur nous dit, comme si on n'a pas le temps d'aller analyser ses propos, il y a au lobby malamou qu'il faut introduire la notion du genre. Il faut retenir introduction de la notion du genre. Facile, même pour un enfant à la maternelle, introduction à la notion du genre. Alors que chez nous, nous avons un ministère des genres et familles. Oyo, les alliés qu'on a de la bamakamouana, violence contre ma maman, ma droit et ma femme, pour s'assurer que parité, les alliés qu'on compte en exécution dans ma institution, nyonso. Si à l'époque de Joseph Kabila, nous n'avons pas atteint les niveaux par rapport à l'exigence, il y a parité, par rapport à l'existence, l'exigence, pardon, il y a genre. Parce que bah, s'il faut que bah, la représenter dans l'institution, niveau taux, il y a participation, taux de représentativité, il y a basi dans l'institution, il faut et là, qu'il s'apprenne que la société wana, il a coupé sa chance dans la dunyonso. Notre gentil docteur, notre fameux docteur, vivait au Congo. Pendant qu'il soignait les femmes à Panzi, est-ce qu'à mon acquitté que na Congo, à tous les niveaux, les femmes sont représentées? Et que le défi était celui de l'éducation. Bana basi nyonso baki na classe. Pendant tout ce temps, tout le monde a un panneau publicitaire. Toutes les filles à l'école, UNICEF, Bazako Tchabamboum, on cherche de tous les moyens que ça avance. À l'heure de Félix Tshisekedi, du coup, tout le monde a été. Félix Tshisekedi, c'est le premier président Oyo a Pessi Valère na ba maman. Baza Ebele comme ministre. Ba koti na ba institution même moto yeba ba moto banda banque centrale les ala banque centrale moi ça te kala ko kamba moto toza lelo na moi sikuna lelo toza pe na juge moko koti na cour constitutionnelle azape ya moi si mais tant tozo kotala façon ya procéder ya président Félix Tshisekedi même na secteur ya éducation on sent qu'il y a des avancées qui font que genre oyo biso to yebi ezali déjà respecté. Nous sommes sur le bon chemin. Bon, notre docteur voulait nous dire que yo oignon ce sale magana Congo et alaganango n'a rien à voir avec les genres. Au Congo, nous n'avons pas encore cerné ce que signifie la notion du genre. Et alaganango magambwana donc oyé alinga lo ba parité, égalité des chances, ba salaire égaux. Moi sinon mobile il faut pas zo ndenge moko. Hé, politique ta ngaza kulubage. Ce n'est pas facile. La politique, ils ont été mortés qui m'ont Félix, c'est que vous aurez déjà averti que politique, ils ont le rôle à Congo, ils ont le rôle à la salle d'opté. Congo, ils ont le rôle à Moudouté, ils ont besoin de opérer en haut. Awa, ils ont ma camoussou. On comprend ici clairement que notre docteur n'avait pas la maîtrise de ses propos. Moni ba propos ce qu'ils ont importé, ba sale lio agenda politique na yo, ba sale lio plan na yo ya makambo yo ke de exécuter ce qu'on côté na scène politique, ça n'a rien à voir avec ce que vous réfléchissez dans votre tête. Ces gens ici oyo bazali ko plébisciter Denis Mukwege, en tout cas qui fait la fierté parce que biso toza na respect à ba maman na biso, ba maman oyo bazwa chance que docteur Denis Mukwege na canal na ye a réparé bango a salué que en tout cas lelo ba renoué na espoir na salué bino place tozali. Nous n'avons rien à voir avec ce que vous avez vécu, il est une bénédiction pour vous. Ici nous parlons politique. Docteur Denis Mukwege azali cotisé par bateau baza ko financer ba guerre na est ya Congo, bateau baza responsable na niveau international. Il y a des ordres où ils allaient dans l'Est, la République démocratique du Congo, Bazali, Bami, y a Denis Mukwege. Bango Pende Moutou Bazali, parmi les grands financiers, il y a l'hôpital, il y a Panzi.
hôpital ou alors totalement là parmi par rapport il y a des moyens et quoi t'as. En tout cas, il faut une infrastructure moko ya kosakanate. Il faut vraiment une infrastructure na ngweza l'adapter na ba hôpitaux modernes pour mbongo ya kapenda. Mais ce toujours yo ka ba nungu nungu ya mosolo ndenge ba foute la ka batu kuna ndenga tweta ka batu na vie yo yemo kwa menaka. On sent que notre prix Nobel de la paix est une fabrication occidentale qui n'a rien à voir avec les intérêts des Congolais. Si vous avez sur le lobby Makambo Aboué, au tiki 3 semaines, 4 semaines, tout ça, vous avez un mois, tout un mois, vous avez un PC, vous réagir na yote, pour les Makambo Aboué, ils ont facilité le lobby, notion introduction, notion du genre. Ah, vous avez vu ce que vous avez. On dit que les gens ne sont pas en priorité dans la priorité dans la vie. Ils ont une notion de genre. Oyo, papa, maman, papa, demoiselle, maman, papa, on ne sait pas comment situer ça. Tout ça, on a la même chose. Ils ont une priorité dans la vie. Introduction, il y a une notion de genre. C'est comme si rien n'existait avant. Parce que ils ont un souci pour introduire. Les docteurs ne doivent pas nous mentir. Pourquoi ça a sauté, ce qui s'est fait en secret aussi, tu es bien. Et ça, tu es bien. Tu es bien. Tu es réagir, tu es bien. 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 Tu as des gens qui te financent, qui veulent que tu es bien. Tu es et tu es bien. 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 Tu papa, maman, maman. Nandenge to vivaka na Congo, vous êtes libre dans votre chambre de faire tout ce que vous faites. Pourquoi vous salez dans ma chambre na bino? Parce que vous avez ça déjà. Il y a des gens qui sont en politique ou bien dans la vie à la cité qui le font. Parce que faut-il que biso peut-on institutionnaliser homosexualité tout comme ça un débat parmi ba débat na ba priorité na biso pour docteur na biso sera satisfait. En tout cas, réplique il y a docteur Denis Mukwege. Et sa réponse satisfaisante, cette notion, cette introduction à la notion du genre va lui coller à la peau pendant toute la campagne électorale. Aïe Balthazar représente candidat à PD. Et même ce PD là, je ne pense pas qu'ils seront d'accord avec lui sur certains points. Ils ont l'occasion et que l'ongwa kate. Jusqu'à ce que Kabila l'ongwa kan a pouvoir, les Congolais savent qu'il était rwandais. Et c'était une vérité. Ses actions même démontraient que Kabila réellement n'était pas congolais pour pas acte ya posa qui est et pas qu'on sera qui même pour celui qui disait qu'il était son propre père les robes nous sont basés au terme de s'opposer la libération est dit qu'à peine non l'assassin de Mouzé comme si c'était le juge Bamoni Moutoubaza n'a pas preuve et en dernier n'est dit qu'à peine d'Aboumagi Mouzé et dit qu'à peine n'a pas bénéficié d'un jugement équitable et l'eau au mourir salé maté mais tata colo tata aza au sommet du pouvoir. C'était bel et bien lui, le magistrat suprême. Il n'a pas osé attiquer na yeux dossier wana qui a quitté le pouvoir. Les solo wana beta ngote. Okeyi na mboka ya muzé bana bazotanga na mabele. Il a fallu que c'est d'ailleurs dans 145 territoires pour pas que ne l'école kuna. Donc, c'est évident les propos des Congolais que Joseph Kabila c'était un Rwandais. Aza vraiment ya bisoté Rwandais tanzanien. Tout ce qu'on peut dire là, parce que le prêtre les a démontrés en eux. Denis Mukwege, qui a commis l'erreur selon plusieurs observateurs, Yabozala, candidat président de la République, motivé par des Occidentaux, par des étrangers, alors vraiment, n'est-ce pas, c'était. Parce que, Oyo, ils allaient sujet à mon aide, battre un minute, Oyo, Baza, vous voyez, les sociétés qu'on s'est soucié, vous voyez, c'est quoi le programme de Denis Mukwege? Les clichés. Étiquette au ministre et l'a dit Denis Mukwege et la notion du genre. Motoyo, Azoya Koumimela Bisso, les représentants de tous les homos, c'est papa, Batmoussoupe Bazan a pensé ou en a libéral, Bazan a mot. Mais il faut Bazota la contexte, n'ambo Kamoto Zali. Est-ce que vous voyez la bataille à Bouébayo Kayamo? Ça c'est à Pamba. Bataille LGBT va me marquer dans le Bumbashi, dans une manifestation, va le voir me gagner dans l'esprit. Ça a dégénéré. Qui a accepté ça? Je crois que la bise sur dans la campagne au Lobino, il faut aussi tout introduire une notion à genre. La grande ligne est bien dans le Congo, il y a une notion à genre. Encore une sortie ratée pour notre docteur qui ne sait pas comment s'adapter dans la scène politique. Entrée, ils ont là qui raté.
sorti aux ressources médiatiques, les ressources qu'on convaincre étaient encore ratées. Il fallait que la biseau ait une bonne définition à genre. Moi, je ne m'attendais pas que la biseau par rapport à autre, il y avait déjà le ministère à genre. Introduction. Il faut tout ça. Quelque chose dans ma caboueta, les gens, ah, on aurait compris. Mais introduit, je vous laisse conclure, vous avez bébé, vous avez bipé, vous avez ma caboueta, vous avez bébé. Awa, tu y es, ma samouyami balé, et ça, ma samouyami pèse à la kanda. Ma samouyami pèse à la kanda, vous avez bébé, dans la katakata. Je n'aime pas m'aventurer avec des actualités qui ont tendance à bercer les esprits des gens. Ou bien inventer des choses qui n'existent pas pour satisfaire l'opinion autour de la mobèse. Non. Au servir, ce que vous êtes capable d'être aux cardiaques, je vous présente mes excuses. Vous êtes obligé de vous éloigner de la TV jusqu'à nouvel ordre. Le Congo est un pays à plusieurs réalités. Nous devons faire avec jusqu'à ce que tu vives le bonheur dans un pays riche aux Mbappé Sabusso. Le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Jean-Pierre Bemba, a confirmé que M23 Bazali renforcé. Il y a des colonnes de militaires rwandais qui sont en train d'entrer sur le sol congolais. Bazar Otambula, na bazone Oyo, sur l'axe Rutshuru, centre Kiwanja, Kinyandoni et d'autres troupes RDF en provenance du Rwanda sont aussi aperçus sur les passages à Kibumba, Rugari en direction du parc national de Virunga pour renforcer les M23 dans le Rutshuru et Nyiragongo, c'est vers le parc de Virunga. Nakanisi nasukina luana vana kwenye actualité mususu. Sango autant toza kuyoka ngo bino comme ngai toza énervé. Les questions qui me reviennent, on a l'envie qu'on réponde à Kabino, on a ma voix, ils sont sous sa répondre. Mais est-ce que c'est normal que chaque fois, ça fait trois mois, dans trois mois, on se dit que nombre, il y a un communiqué, tout peu d'informations, où ils allaient émaner dans le gouvernement congolais sur l'afflux de militaires rwandais sur les sols congolais, ils allaient couper sa tanda. Hélicoptère, il y a des Rwandais et il y a qui ont des munitions, des troupes sur le sol congolais. Ça, c'est le ministre des Affaires étrangères de la RDC, Christophe Lutundula, qui les confirme au Conseil de sécurité des Nations Unies, dans le Makambo, Bazayeko, discuté pour un dossier à RDC Rwanda. Nos porte-paroles militaires, Bazayeko confirme à chaque fois des colonnes de militaires rwandais. Ce que Jean-Pierre Bemba vient de dire n'est pas nouveau, c'est que chaque fois nous observons des colonnes de militaires qui entrent chez nous. Bon, tu observes bango na ba jumelles, tu tiki bango ba koti, ou bien tu bambaka bango pe mbata, pour tu yebi ki ba information ya bien. Et ça, le temps pour moni bango bongo na ba colonne, outre cesser les faits, parce que lorsque les entrent comme ça, ils sont violés carrément les cesser les faits. C'est le fait que les gens ont tenu à respecter. Ils allaient respecter tes adversaires, tes ennemis, tes ennemis, bien parrainés par la communauté internationale. Banda Sukoi et Kota na garage, risque d'aller Kota Baroui, pour déjà aller Kosala Moussala. Mais Sukoi, Bande Vanda na garage, Balobi, on a cessé le fait que les gens ont tenu à respecter. Pour Sukoi, ce qui est là, je ne pense pas que Kichanga il n'y a que na mabogo ya lisusu na mabogo ya ba M23. Mais pendant que nos jeunes wazalendo, ba frères na biso wazalendo, bazako luka ko consolider ba position na bango, attaque eye parce que EAC oyo toza na ye sur le sol congolais. Musala na ye eza ko créer ba trêve pour na ko renforcer ba M23. Et là, j'ouvre même une parenthèse pour Nebi Sabino. Ma arme, Oyogomoni va présenter dans la télévision, dans Bango, dans Rwandais, va présenter dans les réseaux sociaux que ce sont des armes récupérées auprès des Congolais, des forces spéciales. Ce sont des faux, des abilos à l'Okuta. Nebi Sabino, dans les armes, va te faire un
Mais c'est que ça soit en Israël, que ça soit en Israël, c'est que ça soit en Israël. Ils ont une arme, ils ont une arme, ils ont une RDC. Faux. Ces armes-là sont aussi utilisées par des forces spéciales, il y a Rwanda, parce qu'ils ont une arme, ils ont équipé une arme. Donc, comme les Rwandais sont spécialistes dans la manipulation, parce que nous nous informons sans voir la source. Muto azo communiqué nganani. Il y a plus de 200 comptes de Rwandais dans les réseaux sociaux qui s'intéressent uniquement de l'actualité congolaise. Ba compte onyo soboza ko mona ona zo ko présenter bino ba compte onyo soboza ko mona ona ce sont des comptes de Rwandais qui parlent de l'actualité congolaise comme si c'était ils parlaient de leur pays. Sans compter aussi des journalistes congolais corrompus ou des kabilistes qui sont d'accord que le Congo tombe entre les mains de l'ennemi pour bango bazala satisfait que Tshisekedi ne gère pas bien le pays et ça l'argument na bango et qu'au servir bango baya ko convaincre le peuple congolais. Donc cette parenthèse là je la referme ba vidéo ba image belé bozui pendant tout ce temps mukolwana ezaya ngote Outa samedi, ce sont des images montées dans le laboratoire ya Rwandais où le baza payé dans le service de renseignement à Kigali pour embrouiller les Congolais en termes d'information. Je retourne ici dans le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, Papa Bemba. Les Congolais avaient salué votre nomination dans le ministère de la Défense. L'armée n'a pas de la même manière que ça aux la réforme. Profonde, tout le monde est en illustration de le président Zali qui a transformé. C'est vrai qu'ils ont des informations qui sont énervées par le peuple congolais. Aujourd'hui, nous avons réservé pour la consommation diplomatique à l'extérieur. Aujourd'hui, nous avons fait ça pour le peuple congolais pour qu'on ait un dégâté. Nous risquons de nous réveiller un matin et nous allons gérer la frontière où ils allaient au Kaboulabu sur la Rwanda. Parce que les alliés prévisibles. La montée de la colère du peuple congolais. Pour plus, en échange, nous recevons seulement des communiqués. Les Rwandais, les frontières, les Kaboulabis, les Rwandais. Est-ce qu'il n'y a pas des études? Parce que les Rwandais entrent au Congo comme chez eux. Pendant toutes ces années à Joseph Kabila, ils n'ont fait qu'étudier les deux Kivu. Parce qu'ils ont appelé la Bango. Parce qu'ils ont appelé la Bango, la classe, ils ont appelé la Bango, ils ont Bango. Donc l'armée rwandaise s'est préparée pendant toutes les années où Joseph Kabila Zaki n'a pouvoir. Ils ont toute la carte de Kiev. Pendant que notre armée est là qui asphyxiée, muselée, armée n'a plus saut. Laissé à l'abandon par Joseph Kabila. L'armée rwandaise était spécialiste dans la connaissance de Kivu Mubimba, voire même province orientale. Est nyonso ya RDC ça na étude. Tout le Congo Mubimba en général, ils ont le rôle en matière ya étude na kati ya Rwanda. Ce qui leur a facilité l'infiltration. Ils ont soit est des alliés infiltrés. Bon ouest tout le bandeni. Bazako kota na ndenge bazako yati na ouest ba s'installer ba koti na ba faire c'est parce que on leur avait fait les lits ou bango ba koko sala nyonso bali. Mais na stade yo to komi faut-il qu'on puisse observer éternellement cesser les faits pendant que bato bazoko fou. Bazongi na kitanga bazongi ko boma bato. Bazako ta la cible atale longia oyo ko se le filtrer ba bomi. Mais où est passée cette communauté internationale là au bus de Zana Kata Kozelake va résoudre les questions de manière diplomatique parce que l'Amérique, partenaire très, très privilégié, entre guillemets, nous dit que la vraie solution doit être diplomatique, c'est dans les dialogues. Dialogue auto yebina lumutuna makolonangote. Pendant qu'ils nous disent qu'il faut attendre, c'est une façon pour eux de renforcer le Rwanda. Awa tozakoloba et monani clairement que EAC a stoppé qui bandeko na biso ba wazalendo pour ba M23 ba se ravitailler comme ça ba y en attaque na bango.
aujourd'hui la conséquence c'est que mon pepo ba bazale do batambola kinango force union so bakenda kinango distraction et côté non et à ça le vite tellement ba mon pe ba telemi et à ça limite toi attaquer pendant tout ce temps là bazali ko renforcer ba moi en armes et en troupes la conséquence tous les moyens pour consolider ma position dans le bus, pour botoler les sous qui tiennent à Oyo, ils avaient déjà dans ma boue dans le bus, dans ma patriote. Notre armée en réaction, ils avaient moins rapide. Mais qui tiennent à Oyo depuis longtemps, va récupérer qui en haut. Pendant toutes ces trois journées, est-ce qu'il n'y avait-il pas moyen de reprendre le contrôle? Ou bien tu vas aller au banc, tu vas le battre, tu vas complice, tu vas le battre. Non, c'est absurde dans le moment où tu as dit que tu as dit la communauté internationale où ils sont complices, tu as dit que tu as respecté la communauté. Donc, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba nous donne une telle information. Le drone que tu as utilisé, la force que tu as utilisé en Ouganda pour détruire l'ADEF, il faut payer totalement dans mon panier à M23. Parce que Kagame a déjà démontré à la face du monde entier que a koyo kanaye ba discours au bisou toza koupe sa yete. Et Félix Tshisekedi, nous ce qu'on comprend, parce qu'il faut, analyser madame toza koyeba, l'hésitation, pourquoi devons-nous hésiter? Soit, ba na batouba yemi ke baza ko bunda bitumba, une fois pour toutes, toyebi déjà que non, nous nous préparons à la guerre. Toyebi déjà que tozo bunda bitumba awa moral les a moko nous sommes en guerre tozo kende guerre et non toza koloba langage moko na droite langage musu na gauche non attendons nous voulons nous demandons à la communauté internationale démoralisation ya ba troupe la communauté internationale toza ko benga communauté internationale association ya ba malfaiteur ba tondi kune belé. Plusieurs pays qui sont au sein de la communauté internationale, comme ils ont vachalé na bango. Aussi longtemps que Tokozalaka naïf ou bien Tokozalaka trop patient pour jouer le rôle d'un bon élève, nous perdrons encore beaucoup de temps alors que nous sommes préparés. Na armée, ba militaire, ba limbaka ndenge nini. Balimbagatangu, bango baza showana bayebi ke toye na moral la bitumba. Bayoki kuna obokata na obovanda. Ça démoralise les troupes. Tant que batu baza da mobilisé, basi balobi to kufa to kufa to kei tisuka. Bayoki ni susu kuna mitin de kwei. Non! Stop! Bozi lanan, pendant ce temps là, ils font quoi? Le moral change. Un militaire tant wakir déjà na front, azaga déjà sur la lobia na kei. Et tant que nous sommes en pause, nous sommes quelque part. Avec la mentalité de Moussou Baza, il risque d'avoir quatre chemins. C'est ici que nos experts doivent bien réfléchir. Faut-il avancer ou attendre toujours que la communauté internationale donne le go au Bango Bali Koupé Sati? L'objet de tout Baza, il est sous. Bana batu baza mobilisé tant que vous avez beton des ametons malgré ma botole qui tient la main bango pe ba limite ba betani na bango le sous jusqu'à à ravir le sous même village moko ba récupérer en objectif na bango ka to avancer parce que awa et pas Kagame ya ça se préparer na ye sur le plan numérique baza préparé. Ba gagner na nous cité wanate mais déjà na média basi bango ba gagner ngo déjà. Est-ce que le gouvernement congolais tout mitou na kaka ba question tant une stratégie armée na bizu toza ko bunda face à l'ennemi. Toza ko mené pe bêtise toi ba pe des ordres et ça ko se passer sur le plan communicationnel que à la guerre comme à la guerre, guerre numérique et ça ko sale ma na ba réseaux sociaux, na ba média en ligne. Est-ce que Bissot peut asseoir tes politiques moko dissuasives et qu'on permettre que ma citoyenne Bissot bat ton bagaté? Il faut aussi contre-attaquer ça. Non, chez nous, on attend que Bato Oyo Bazali, Koko Tanavision, président Félix et Tshisekedi, Bassa la mona manière là-bas. Ils ne les feront pas de manière professionnelle. Les gens que nous voyons dans les réseaux sociaux, autres Ali Komona, robot communiquant à Kagame avec des faux comptes pour embrouiller les Congolais dans l'information et ça y a monté.
bayebi politique ya Congo, bayebi comment pour manipuler Congo. Ils sont préparés, ils sont formés. Baza ko sala ba biloko baza ko sala. Pensons-nous que plus il faut continuer ko sala ka malamu, goûter ko malamu, ko penser que ça n'a pas, ça n'a aucun impact. Ça a un impact parce qu'il y a des Congolais analphabètes politiques au biloko ya nzo ko tana mitu na bango. Na ngambo ya Kenya, président ya Angola, na président ya Kenya, monsieur Witu Ruto, bakutanaki. Il y a des rumeurs qui ont circulé que yo ba empoisonné président ya Angola. Ah, nous sommes dans les réseaux sociaux, tout peut se dire. Président angolais, ce qui est en compréhension de la guerre qui a été menée en Afrique centrale, ah, il y a des présidents qui ont été engloutis par Batouti parce qu'ils ne comprennent pas. Donc avant d'abord d'ouvrir point Oyo pour que la Makambo Itali rencontre le président kenyan angolais concernant la question de M23, il faut dire qu'en Afrique centrale, il y a une guerre aujourd'hui. Oyo et komiko lata race et komiko lata ba ethnie ba morphologie abat ezako lata te, mais ça existait comme ça depuis entrée à Afdel na Congo, accession à pouvoir ya Bakagame, le Museveni et autres, l'influence ya politique ya Frère Santal et qui ndeki na maboko ya Batuti. Les Américains ont beaucoup travaillé avec le Tutsi. La tendance hégémonique bazali na moko bango ba comme va mettre l'Afrique centrale. En tout cas, ils ont installé des bases. La base où toujours va installer ça que ba simisquer na politique il y a ba pays ebelé na Afrique centrale. Et voire même au-delà. Expansion na bango wana ndenge ba kei non, il faut ba kende partout bango nde ba touti ba comme va mettre l'Afrique centrale. Ils ont été soutenus d'une certaine manière par la communauté internationale. Accession à Félix Tshisekedi n'a pouvoir et bouleverser ma donne pour Nabatouti. Tshisekedi pour aller d'abord n'a pouvoir, il faut que diplomatiquement il a fallu qu'il a déjoué les cartes à Batouti. Ce n'est pas pour rien que Tshisekedi est passé par le Nairobi. Allez, il pays où Moussous, même s'il est passé aussi à Luanda, il a utilisé la paix Angola, mais c'était beaucoup plus le Touti, même dans sa dette. Bah on va se réclamer bah droit là-bas. Biso, tous les gens qui aillent, comment ils vont tabler là, biso, comment ils vont marcher, comment. Biso, tout le monde a la garde l'élection, tout le monde a la garde le président bah soit en pouvoir, mais ils ont un angle diplomatique où ils sont très important. Celui président mon quoi ils ont un bolingo en bocaté, à se retrouver la diplomatie wana, il va vendre le pays est parti. Donc, schéma où y a Kenya. Félix Tshisekedi qui accède au pouvoir et qui fait les choses autrement que Joseph Kabila ne devait être. Et comme le rôle à l'Ikamoro, il y a Babantou, Nabanilotique, et c'est une réalité. Il ne faut pas voir les choses, c'est ça la réalité. Mais au niveau politique, c'est une guerre. Ce qui est le président Moussousou Oyo, et l'Afrique centrale, va comprendre la dimension. Félix Tshisekedi est le maître incontesté de l'Afrique centrale. Il faut leadership oyo ya région ezonga na Congo guerre tozana ngo yango wana outre ba intero bango déjà ba mesana kozwa na Congo baza pe na combat na Félix Tshisekedi parce que bazo mona ye un grand adversaire qui veut bouleverser la donne yango moni ko ya Félix Tshisekedi sali ke Kagame abimisa pole les cartes na ye Kagame chez Sassou Kagame chez na Angola signer des accords notés, il y a coopération bilatérale, ben investisseurs bazali, ben échanger ben agenda. La même politique a mené Kagame avec João Lourenço à Kepé Komimangope et pas Nani. Vena Biso Yangambu ya Congo wa Nani Sassou. Et Kagame a fait le tour de toute l'Afrique centrale pour contredire Tshisekedi. C'est deux visions qui s'opposent. Il ne s'agit pas que Kagame seulement quitte le pouvoir, mais c'est une guerre des intérêts
oyo région mobimba mutu na mutu aza obligé asala apo na kanaye. Dans la région à Grand Lac, il y a ceux qui voient l'opportunité dans la gouvernance, dans la vente au Tshisekedi à Mimi. On peut les suivre sur ces traces et puis te pacifier Afrique et Mobimba. Tu continues la vision na pour le bonheur à peuple na biso. Les présidents qui ne sont pas là pour le bonheur de leur peuple dans la région à Grand Lac, ils ont la même vision na Kagame. Et c'est ça toute la différence. Là, je pense que cette parenthèse, l'explication est fournie à Kangango, ils ont une façon de faire na Fongola. Je ne sais pas si comprendre que voler Moussousou, il y a des tombes Congo et Zaroubounda dans le pays voisin. Mais ici, conformément à ma Kambouya Nairobi, pour la question de la M23, après le président angolais, na Kenya Kokutana, Balobi, nous avons progressé ensemble, bien progressé, mais nous avons stagné sur un point. Il faut que le cantonnement du M23 soit achevé. Ça, c'est Joao Lourenço. Bangomi Balé, Balobi, a déclaré Balobi que la milice M23, si elle rejoignait une garnison militaire, cela faciliterait l'instauration de la paix dans la patrie, partie orientale de la RDC. Joao Lourenço, comme Ruto, il y a bien l'engagement, il y a bien la recommandation, il y a Makamboyo, il y a Nairobi. Tu es bien dans le Congo pour une partie des Congolais qui le font peut-être de manière. Bazo Salamo Siyama, Bazo Kanisake, Bazo présenté Bissouin Tshisekedi du traître qui a vendu le pays à cause de l'adhésion dans l'EAC. Tu es bien dans le Mopeming. Mais Awa, Joao Lourenço, c'est par rapport à l'obstination de Félix Tshisekedi, au refus de Félix Tshisekedi, dans ma proposition, 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 dans la dernière fois que Félix Tshisekedi s'est rencontré avec Paul Kagame à Luanda, c'était pour que le Kagame puisse retirer ses troupes. En Nairobi, c'était la même chose. Mais comme diplomatie, à niveau international, les Européens sont contre Tshisekedi. Et voir une partie avec les Américains, ils ont dit que non, Tshisekedi ne peut pas obtenir ça. Il faut que les Canavois soient statu quo. Ils ont compliqué les choses. Avancer, ils ont dit que M23 a sali boye. C'est une guerre au niveau international pour dissuader Tshisekedi. Andi Malisolo, la seule voie de sortie, il y a des minéraux, il y a des wolo, il y a des gens qui sont en coltan, c'est le Rwanda et l'Ouganda, pour l'intérêt des multinationales qui s'accrochent à ce que les choses restent comme ça, il faut politique ou on n'a pas gardé. Tshisekedi parle au vignette, je respecte vos intérêts, ceux qui sont en Boye Kinshasa. Mais ce que je veux dire, c'est que la gangana qui m'a dit que je suis en Ouganda ou en Rwanda, je ne suis pas d'accord. Mais résurgence, il y a M23 et Angoana. Pour nous, la compréhension n'est pas facile. Les seuls langages, il y a coopération gagnant-gagnant, 50-50, suffit pour créer et envenimer la situation. Donc, awa toza koloba. Joao Lourenço est un porteur de message Oyo, Américain, Balobi, Bakendekoyo, Kanabango, Naruto. La question de M23 qui devait être résolue depuis longtemps a été freinée par l'administration Biden parce que les démocrates américains, ce sont des sanguinaires, s'il faut les appeler comme ça. Batoyo, comme ici Kagame, petit monstre, ce sont les démocrates américains. Cette question qui devait être résolue 5 ans Félix Tshisekedi a sali, l'Amérique pouvait mettre fin à cette situation sans qu'elle ait dégénéré comme on a point autocomi, sans qu'elle ait tombé salement entre RDC et Rwanda. Mais le rôle de mafieux, de l'administration américaine, de la politique américaine, Pepe Biden a sali, il y a un panté dans ma boue, il y a un bateau, il y a un bateau qui a répondu à ma banque. Nous devons nous trouver dans une situation comme celle-ci. Tant que Félix Tshisekedi a un dialogue à l'OBI, il n'y a pas de dialogue avec les M23. Nous avons dialogué, nous avons manipulé. Il y a même des Congolais qui s'opposent à cette logique.
non dans toute chaque solution les alaka la diplomatie batiaka pointé il faut toujours trouver un cadre pour dialoguer. Il y a des Congolais ici qui sont assimilés à la politique de Kagame, qui sont rwandais en esprit, qui sont contre le pays, qui proposaient que Tshisekedi tout ça vous c'est un ayo au côté dans même schéma au Kabila Sala. Ces gens-là que vous voyez à la télé qui disent que Tshisekedi démontrait pour la Moussa M23 déjà balonga qui ont diplomatiquement. C'est question de négociation. C'est le cœur patriotique de Moutesa Koboma Tshisekedi quoi ça la lengue mona Kabila D. En 2013, le Congo Kabila a vaincu le M23. C'était comment? Ils ont conclu encore des accords. Pour la nini bagenda iba limwe bake bake kuvana na Uganda bake kuvana na Rwanda. La question n'était pas résolue définitivement. Pourquoi? Kabila a signé encore des accords. Il a conclu batikeli bango ba espace na bango ba continuer kuexploiter. L'or qui doit aller à l'Ouganda, n'a pas minéré les eaux les par Rwanda, Kabila tika ngo et continuer nango comme ça guerre paix ici. Yango ba spécialiste na bino bazako mela bino ba ici bino ba lobi voilà. C'est Tshisekedi qui est le problème, c'est lui le traître. M23 ici pour faire nango, il est Tshisekedi mutazwa ki bango abendi bango na Kinshasa. Tshisekedi soka yamba ki bango ezapo ayoka bango. Ngana zalaki awate, bosolola ki mini. Qu'est-ce que vous avez conclu pour le Loboya Kobima Lesusu? En tant que démocrate, c'était ça la démarche. Ngana zana makamba tikeli ngana mesa, mais na moni makamba moko surgir ngana ebité. Papa, vous clairement, vous avez parlé de quoi? La M23 a réclamé beaucoup de choses. Mais ce qui est basi balonga qui est militairement. Ma camionne ceci là qui, vous aurez compris. Mais awa rencontre ya Ruto na Lorenzo ezali sur ordre ya américain. Félix Tshisekedi reste les candidats des Américains. Scénario nyo sont au monde dans l'élection au Congo. Ils ont un scénario à formalité au Congo. Certains jouent avec leurs candidats pour continuer à avoir la mainmise dans la politique au Congo. Mais la question présidentielle, États-Unis en tant que voix prépondérante sur le plan diplomatique, sur le plan international, ayebi que candidat na bango eza Tshisekedi. Il n'y a pas un instant aux États-Unis. Na département d'État américain, il y a qui, il y a accusation nyonso, il y a bi makambo bakatumbi, il y a bakatoliki na ba protestant, comment Tshisekedi il faut tout écarter. Mais tant on va étudier sur le terrain, ba sali sondage, ba monique eza pratique te. Moyen ya ko sala ngo eza te le Congo ba ko gérer ngo te. Il n'est pas possible qu'avec Tshisekedi ndenge a simbi l'esprit ya bantu na territoire nyonso national. Bazwa un katumbi ou un mukwege va passer le pouvoir de Congo sur la Kimia. Et aussi mbate. Et aussi mbate même dans l'armée, ça ne passera pas. Il y a un moni bazongi démocrate comme républicain. Pour Tshisekedi, ils sont d'accord. Mais la question qui oppose Tshisekedi à ces gens-là, c'est la question sécuritaire. C'est la question économique, d'intérêt. Bozozoa, pour passer à Bissot Kimia. Bopé sa biso peut tout s'organiser. C'est ce qu'ils ne veulent pas. Voilà ce qui oppose Tshisekedi à la communauté internationale. Mais cette guerre, sachez-le bien pour la suite dans le point Oyo, ils ont dit que le Congo est déjà proche de la victoire. Oh, nous avons dit que nous avons prolifération de phénomène. Oh, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que on a goma, oh il paraît goma est tombé. Vous allez suivre des comptes des Congolais qui disent il paraît goma est pays. Il paraît goma est en train de mettre des M23. C'est comme s'il taquinait les Rwandais, mais ce sont des Congolais. Circuler à goma c'est calme. Bande qu'on a vu sur bien discipliné, bande qu'on a vu sur va couler la mendu qui n'a pas beaucoup. Bas après n'a pas des ordres ou y a bango. Bago coûte un peu bango na bango. À la place va être privilégié ben intérêt. Il y a peuple congolais, babandi ou bête dans la bango. Et ça liban a vu ça, bakoli na guerre. Ils n'ont rien appris. C'est le big na kayo, babesa qui bango est à Mundouki. Nous devons les comprendre. Mais il n'y a rien là de dangereux où ils ont menacé Goma. C'est basi chomi balé, il y a un mouvement rebelle, ou peu basa déjà acquis au changement, ne va s'affronter entre bango na bango.
ils sont maîtrisés selon les communiqués de l'armée. Donc pour chiter, par rapport à ce point que Nyangola ndenge bakutani kuna, les choses sur le plan diplomatique ne vont pas toujours à la faveur de Paul Kagame. Souci au économie primordial pour les Américains, ils allaient que va trouver voie moko ya compromis sur le plan diplomatique pour M23 abima. Nous, Congolais, nous pouvons nous assurer que le commandant suprême de FARDC, Félix Tshisekedi, n'acceptera aucun dialogue. Il n'y aura pas de négociation pour que nous prenions encore des Rwandais, tout ça dans l'armée, tout ça dans la police et ailleurs. Ça, nous en avons l'assurance. Et ici, ma surprise est Kozala. Ma surprise est Kozala. Le M23 va risquer de disparaître comme il est venu. Ils ont risqué de mettre M23 et qu'on se dissoudre quand on a dit Yaki. À nous, la responsabilité serait de savoir bien protéger nos frontières. Victor Tessongo, activiste d'un mouvement citoyen, a dévoilé plein aux opposants congolais, Bazanamou, certains opposants, Bazanamou, il n'a pas besoin de pouvoir en force. Bazan vous recrutez Bajem, Bazan vous nous Bajem ou Bazan influent, Bazan a contact John Nook. Vous avez peut-être déjà suivi ça dans ma chaîne Moussous. Je voulais suivre l'audio. Il y a Victor Tessongo, activiste et un mouvement citoyen, Simandé Tozoui. À devoir nous définir de ce que nous voulons. Par rapport au financement, déjà, il n'y a pas de souci pour ça. Il n'y a pas de souci. Les différents partenaires sont prêts à pouvoir. Apporter tout ce qu'il faut pour nous, pour que nous puissions matérialiser ces plans. Et surtout avec le message du général John Numbi qui vient encore nous renforcer, enfin, qui vient encore nous donner un peu plus de force. Et je lui ai fait même part aussi, surtout que nous sommes en train de nous mobiliser par rapport à ça. Et donc moi, je te conseillerais de revoir la liste, de chercher des activistes qui sont vraiment contre la gouvernance actuelle de Tshisekedi. J'ai vu, tu m'as envoyé le nom de Ben José. Ben José est un peu plus proche au pouvoir actuel. Tu m'as donné le nom de Jean-Paul Moalaba. Il est aussi proche du pouvoir actuellement aussi. C'est vrai que ce sont des personnes crédibles, oui, mais après, ils sont proches du pouvoir. On craint que tout soit capoté, c'est pas une bonne chose. J'ai vu le nom de Freddy Marcel. Bon, Freddy, il est un peu proche avec au niveau de la commission justice et paix. Bon, voilà, avec la CINCO, oui. Mais on va réfléchir un peu plus sur lui. Mais moi, je vais des profils un peu plus. Qui ne peuvent pas nous trahir, qui seront efficaces. Et même s'il y a eu des arrestations, même s'il y aura des arrestations, même s'ils vont essayer un peu de bouger, mais on va essayer un peu plus de résister et voir comment est-ce que garantir chacun de nous ce qu'il faut, afin qu'il soit mieux outillé. Donc les téléphones sont là, il faut multiplier de stratégie sur le plan de réseaux sociaux avec un message très fort, un message radical vis-à-vis de la gouvernance de Tshisekedi, parce que la réalité elle est là. La réalité est là, Tshisekedi a complètement échoué et que le peuple veut un changement. Et donc il faut vraiment carburer et voir comment est-ce que nous allons arriver, et l'armée pourra maintenant prendre le relais. Parce que j'ai essayé un peu d'échanger avec quelques officiers. J'ai échangé avec quelques officiers pour voir comment est-ce qu'on pouvait matérialiser avec eux un appui de leur côté. Tu te rappelles ce qu'on a eu à faire à l'époque en 2016 avec le G7, avec les différentes manifestations. Il fallait le cocktail Molotov, il fallait beaucoup de choses. Et on va voir comment est-ce qu'on va mettre ces lampes en place. Parce qu'il faut vraiment déstabiliser la ville de Kinshasa, il faut vraiment déstabiliser Kin. C'est vrai qu'aussi, de l'autre côté du pouvoir, ils sont aussi mieux outillés pour l'instant, avec des jeunes de l'UDPS qui ont été recrutés au niveau de la garde républicaine, ainsi de suite. Ils sont mobilisés pour ça aussi, pour que Kinshasa ne soit pas vraiment aussi secoué, mais je pense que c'est possible pour nous de pouvoir secouer Kinshasa.
Nous allons plus cibler les zones moins accessibles, c'est-à-dire les zones où le pouvoir s'entend de moins. On n'ira pas à Tchangou, non, on n'ira pas à Tchangou parce que là, le pouvoir est un peu plus focus de l'autre côté, mais on choisira des endroits où un peu plus isolés et voir comment est-ce que nous allons remonter les choses pour faire avancer un peu plus et faire un chaos total pour Kinshasa d'abord et puis les grandes villes aussi, ça suivra. À Goma, je parle avec quelques activistes aussi là-bas à Goma. Et nous avons déjà un plan aussi pour eux aussi de l'autre côté. J'attends qu'ils puissent finaliser. Ils ont des différentes réunions, même à Kisangani aussi. Nous attendons aussi de l'autre côté. Et au Bas-Congo, au niveau de Matadi, je parlais avec quelques activistes aussi de l'autre côté qui sont aussi prêts à pouvoir le faire. Donc, ce qui est bon pour nous, c'est qu'on doit matérialiser. En fait, on doit déjà mettre en place déjà un plan d'action déjà. Je veux, en fait, un plan d'action qui vient d'abord de nous en tant qu'activistes. Et ce plan d'action, je veux le faire monter jusqu'à la hiérarchie, voir comment est-ce qu'ils peuvent, ils vont aussi adopter ça. Et puis par après, suivra le financement, comme on a toujours l'habitude de le faire. Donc moi, je demande de rester serein, de rester discret et faire attention avec qui tu peux parler. Mais déjà, la première des choses, nous devons déjà, avec la liste que j'ai déjà, que j'ai pu me renvoyer, et la liste que tu vas me renvoyer, nous allons peaufiner cela. Et puis maintenant sortir le gros de notre message et de notre plan plutôt. Et après, maintenant, on va maintenant voir comment qu'est-ce qu'il faut le faire. Parce qu'il nous reste 60 jours et on doit vraiment carburer. D'ici déjà la fin du mois d'octobre, voilà, nous devons déjà commencer la toute première action. C'est d'abord le point de presse qui va annoncer au monde la sortie d'un grand mouvement qui regroupe tout le mouvement, en fait, ce qui regroupe pas tout le mouvement, mais qui regroupe des activistes d'une manière indépendante qui vont travailler et donner le go. Donc c'est ça un peu. Et reviens-moi avec des éléments comme il faut et puis nous allons voir comment est-ce qu'on doit matérialiser cela. Donc vraiment courage mon cher. Courage, 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 courage et tenez bon. Et les bonnes choses arrivent déjà. Les bonnes choses arrivent et nous allons matérialiser cela. Merci beaucoup. Voilà. Bolandi ndeko wana makambo azali koloba. Soki na kubenga ye ndeko, soki na kubenga ye ndoki. Mais je préfère l'appeler ndoki, c'est un sorcier. Parce qu'un Congolais normal, même s'il n'est pas d'accord avec Tshisekedi, il ne peut pas souhaiter le pire pour son pays. Mais pour un bateau, il y a qui soit en otage pendant plus de 20 ans. Congo propriété na bango biso ba troubani ba esclave na bango étrangers sur notre propre sol. Le seul moyen pour eux de combattre Félix Tshisekedi n'est pas les élections. Ils allaient ba bruit des bottes massacre les la désordre les a créé na capitale basa la plan au bango bazali ko bomisa. C'est ici que le gouvernement congolais doit être interpellé. Nous interpellons le gouvernement congolais, tout le ministère intérieur, ministère de la justice. Ceux qui ont besoin de maîtrise, il y a une organisation, mouvement citoyen, à partir de l'Est jusqu'à l'Ouest. Le mouvement, c'est ce que c'est créé comme un champignon, téléguidé de l'extérieur. Créé bien. Et tant que il y a des citoyens rwandais, congolais, qui vivent à Kinshasa, qui font l'apologie, il y a Paul Kagame, et qui sont même dans des plateaux de télévision. Ils passent dans tous les plateaux de télévision rwandais, ça l'apologie à la politique à Kagame. Mais ce qui est bakabiliste, nous devons faire marche arrière pour nous prévaloir d'intérêt dans Bango. Et tout ce qu'ils ont eu comme moyen pendant 21 ans, il suffit de Bango. Il ne faut pas revenir dans le pouvoir par n'importe quel mécanisme. C'est vrai. Nous avons un scénario envisageable et facile. Le rôle à Gabon, le rôle à Burkina Faso, le Congo n'est ni le Burkina Faso ni le Gabon. Tant que nous sommes au Congo, nous avons la dimension à sous-continent. C'est un continent même.
talana nous bétini ou ezana Congo, particularité à Congo, batribu 400 tranquilles. Sur le temps même temps où ça la rappelle au Lubio, appelle na Katangé, na ça où ça rappelle. Autant la gamane où t'es dimanche en beaucoup. Nos frères ne comprennent rien du Congo et en gros bazar au Sakan. Tout si tout le bagage on avait Michel les gars qui c'est facile de dire, mais il y aura des arrestations en masse. Joseph Kabila est près de la porte de la prison. Malingo bousculé prison on a yémoko. Bateau bazar au créer schéma modèle au bail bayango que ce sont eux qui vont transformer ce qui est un dictateur parce qu'en tant que garant de la nation, commandant suprême des forces armées, biso tozozi la ba réforme ya minene et que bino boye bo pesiti ce qui est du béki na mouvement moko ezanga mutuna makolo ça va rater mais au mieux c'est pour salima boyo ka bato libanda mboka ba komi koloba. Ou c'est la dictature, ce n'est plus la démocratie. Parce que beaucoup renforcer Tshisekedi Makasi. Tshisekedi est respectueux de la démocratie. Voilà pourquoi certains jusqu'à aujourd'hui, baza pour s'enorgueillir na liberté, ba mesana na ngoti. Mais ne les poussez pas à travers vos actes parce que ça deviendra très dangereux. Élection est risquée au Salemana 2025. Pendant ce temps-là, vous préférez toi kanamuno. Vous-même, vous savez la suite. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Mais, Abbé Chole, ma catholique, Asa Yebisaki Bissot, si la CENI amène les choses, Natiki Bino Boulanda, dans nos vidéos, Abbé Chole, Simatozo. La CENI ne comprend pas la pertinence de notre insistance pour renforcer la confiance de la population. Si la CENI minimise la perception de son travail dans l'opinion, on peut aller aux élections, à moins qu'il y ait vraiment des correctifs assez significatifs au niveau de l'observation. On peut aller aux élections, mais je crains que en se maintenant dans cette position-là, la CENI fasse l'élite d'un environnement fertile pour une révolution qui n'attendra qu'un leader courageux, parce que le terrain c'est... Voilà, scénario Oyo, ils ont même dit à Moutou à Batoua catholique. Batoua catholique, nous avons le Zabino fidélité. Cher fidèle, nous avons le Zabino pardon chaque fois. Nous avons le Batoua catholique, mais le dirigeant catholique, Oyo, mon élection à Congo, ils ont le Congo, la politique à Congo, ils ont le Congo, ils ont le Congo, ils ont le Congo. Chole, nous avons le Congo, ils ont le Congo. Scénario Oyo, ils ont envisagé. Pour le Congo, nous avons le Congo, nous avons les bonnes élections, ça veut dire que Félix Tshisekedi doit perdre. Ce qui n'est pas possible, mais Bango Yamonde va envisager. Si il y a élection, même ceux qui l'auront proclamé Tshisekedi président, ils ne seront pas calmes. Pour la Bango élection, vous allez les guider. S'il n'y a pas aussi élection, ils ne seront pas toujours en pays. Non, c'est donner la voix à un candidat, il suffirait qu'un homme fort. Ah ah! Bazan a plan à Bango. Si Bakendani Koloba na États-Unis que Bazan a besoin à Boutoumoussou, tu sais qu'il n'est pas prompt à diriger Moka ou Bango, mais ça n'a pas cop na Bango. Nous aurons tout compris. Pour ceux qui comprennent, c'est de l'actualité aussi tout le bamba la namba. Ah, ça m'a long à vous avoir le bela yangote, vous avez mon attaque Bazan a plan à Sima, tout le bakango chaque jour. Des fois, tout le monde a battu ma bombe, ma pauvre, tout le monde a rien. Mais déjà, tout le bagage à Moki Bazan a plan à ma vie. Na sukisi awa na réaction à sénatrice Victorine Luese concernant tribalisme na circonscription électorale ya Ilebo na territoire ya Ilebo na préféré na pesa bino na vidéo na ye si mandé tozoni pona commentaire. Motion de la collègue Luese Victorine, merci. Merci honorable président pour la parole. C'est une motion d'information. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable sénateur, très chers collègues, je voudrais vous parler de la situation préoccupante qui se déroule actuellement dans les territoires d'Ilebo d'où je suis originaire. Depuis la mise en place de la paix territoriale,
l'administrateur du territoire d'Ilebo et ses deux adjoints sont tous trois de la même tribu, alors que le territoire est multi-ethnique, ceci ne s'est jamais passé auparavant. Car toutes les ethnies ont toujours cohabité sans problème. Cependant, le fait d'avoir placé une seule ethnie à la territoriale, dont disait et fait pousser des ailes à celle-ci jusqu'à développer les comportements d'exclusion des autres. Tenez, il y a 3 mois, un chef de bureau d'antenne de la DGCAS Ilebo a vu ses bureaux fermés et une population instrumentalisée réclamant son départ en ce qu'il était là et non l'aidé, et par conséquent, il ne devrait pas travailler. En deuxième lieu, un chef de secteur nommé dans le secteur de Mapango, dans les territoires d'Ilebo, intimidé et menacé parce qu'il était Louba et non Lélé, a dû fuir son poste d'attache pour avoir la vie sauve. Cela n'est pas fini. Depuis bientôt 4 jours, des pognons s'organisent contre les autres tribus, puisqu'il faut que les membres de la CENI antenne d'Ilebo, nouvellement nommés, quittent les territoires d'Ilebo parce qu'ils ne sont pas les laits. Et pourtant, ceux qui ont été nommés à la CENI antenne d'Ilebo, non seulement qu'ils habitent d'Ilebo, sont tous originaires d'Ilebo et originaires de la province du Kasaï. Jusqu'à quand allons-nous tolérer que ces antivalères comme le tribalisme prennent le dessus sur les valeurs républicaines? Honorable Président, où va la République? J'ai pris la parole pour vous prendre tous à témoin, de sorte que demain, si tout dégénère négativement, que personne n'en prétexte ignorance. Telle est, honorable président, la quintessence de ma motion d'information et je vous remercie. Merci beaucoup. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Mais nous sommes sur une pente dangereuse lorsqu'on commence à évoquer des questions de tribalisme dans l'administration. Je pense que ceux qui sont concernés par ces questions, ils ont bien suivi votre intervention et qu'ils seront prudents prochainement lorsque il faudra désigner des personnes. Je crois que c'est important. Voilà. Ce conflit qui oppose notre sénatrice Victorine Luese na population et à la circonscription électorale naïe. Il y a le big et tribalisme et zali parce qu'il y a une administration à territoire. Administrateur à territoire n'a bien naïe basa batu attribue mon corps. Et pourquoi c'est pour la première fois de l'histoire administrateur à territoire azala muto ekolo mususu oyo alandie pe azala ekolo mususu et puis ndenge azako moni la makambo bazako instrumentaliser population pour na s'attaquer na ba gens ya CENI parce que bazali bato ya tribu songolo pakala yango bazoki ndi s'attaquer na bango yango makambo ya président na CENI. Pour que le tribalisme, il ne faut pas venir à l'Ikambouana pour le tribalisme. Selon nos sources contactées dans le territoire de l'Ilebo, conflit à tribalisme est. Nous devons quitter avec les vieilles mentalités qui font que chaque fois qu'il y a nomination, il faut toujours qu'il y ait des considérations tribales. Les Tchopwe, les Lélé et les autres tribus, les Louba, Nabatoumsousso, Bazali, dans le territoire de l'Ilebo. Bazalaka na conflité.
Ce qui m'a dit, poste l'eau, il y a un tribu, et ça passe, il n'y a aucun problème. Mais comme les gens qui ont travaillé avec Kabila, ils ont en difficulté pour que les gens soient convaincus, dans la circonscription électorale, il faut inventer un scénario. Sénatrice, trois personnes qui n'étaient pas de sa tribu, ba pécier ba voix. Bandeko misatu maître Hubert Kinda Pongo. Bango nyonso ba député provincial, bazala ki ya tribu na yete, ba pesa ki ye ba voix na bango pour akoma sénatrice, aza ko représenter kuna territoire ya ile, circonscription électorale ya ile. Bon, tango yo ba commission sénatrice na bato yo bazali il y a tribune à yoté et posa qui problème mon côté wa nzana bango malamu. Mais lorsque on nomme batu mususu oyo pe bazali ya tribu mususu na territoire olobi, c'est du tribalisme. Monsieur le président de la CENI Denis Kadima, veillez na ba circonscription électorale batu ya pe perdre ya kala ba kabiliste ya kala ba yebi mafia na bango bandaye ko sala na kala. Tu as vu que dans la circonscription électorale, il y a une machine électorale qui est en train de se faire. Il y a un kabiliste moko. Déjà, il y a un planifié tricherie. Pour produire le cadre de l'éther, pour produire tricherie. Les habitants du territoire, il est beau, ils vont s'attaquer à la base de la CENI. Ils vont protester parce qu'ils ont une fraude moko, ils ont planifié. Certains agents de la CENI sont en connivence avec ma candidat, y compris les candidats sénatrice Victorine Luessi. Objectif est que Batouya CENI wana bazala aki na bango pour planifier tricherie na bango. Lorsque l'information est commise na ba habitants ou balingi changement, balingi le soukoyo kateke, batou moko kaka moko moko wana bazoya kozoki la bango. Ils se sont révoltés pour demander la démission. Il y a des gens qui sont en connivence, des connivence, des politiciens, pour que la circonscription électorale y a il est beau et continue toujours aux alentours de la même personne. Voilà, place pour le batouaza au terme, la base instrumentalisée dans le candidat mon côté. Dire qu'il y a le tribalisme, parce que batu ya seni wana, ba jan wana ya seni, baza ya même tribu, ya ngou wana ba soulever population, pour pas que dans la contre na bango, c'est faux. Président ya seni veillez pour la likambo etali corruption na ba jan ya seni. Prenez toutes les dispositions possibles à l'air pour lande la bango, pour lande la proximité à certains agents de la seni à la base, na ba candidat, oyo bazali ba candidat na ba député na députation provinciale topé nationale ba magui ebele ezali kuna eza na bato yo ba miyebi bango moko ke na voie normale ils ne seront jamais votés. Ils doivent soit inventer un conflit entre les différentes tribus oyo bazala circonscription électorale wana pour ba justifier des ordres wana soit ngai na leki soit na leki ta les désordres bimi kuna. Pour ceux qui peuvent comprendre, le président Yasseni, surtout le conseiller à président Yasseni, l'affinité est trop. Il y a des candidats qui comptent sur les conseillers à président Yasseni de Likadima. Des autres alliés dans la circonscription électorale, il y a des agents, oyoyo, bayebi. Ba politicien, bayebi, bazali, na ba cousin, na bango, bazali, na ba neveu, na bango, bazali. Na cabinet de Nekadima nga na kubima nga député atanyo su salami na kubima député. Nous avons dit donc pour clore ce point là et singeli to e que na circonscription électorale ya ilebo na territoire ya ilebo question ya tribalisme zati bato azo vivre kuna baza en pleine harmonie. Il faut cesser d'instrumentaliser jeunesse, cesser d'instrumentaliser la population pour diviser batuke école hôtel to école hôtel. Non. Et comment mener le parc territorial, il faut essayer de manière rotative. Et puis, Batiaka, ce qui est chef de territoire, il faut attribuer pour l'Andien Nassima, il faut attribuer pour l'Andien Nassima. Ce qui est la compétence, dans le moment où il faut que Batiaka soit Batouane. Il faut que tu aies un peu pour Batouane. Vous vivez déjà ensemble. Il faut attribuer pour l'Andien Nassima. Les songes qui sont venus du Kassai oriental se sont aussi retrouvés dans le cadre de la circonscription électorale. Les Tchokwe sont là, les Luba sont là.
Vous cherchez quoi? Vivez en harmonie. Et Michel Lelo et Siliwana, n'a pas si bien. Matondo mingi na bino ba ebolanda ki biso bolinga ka samba kulunda mingi samba ulunga mingi en tout cas na yebi que ba tebele deception ezali mingi kulele ezali mingi po na nini c'est le fait samba ulunga écrivez poser des questions mais ba message pe soki ligi mina ina za na moya kutana mituna eza malamu po na ya nulaka même na émission soki na zui tenté ya boya nula bino de manière privée na téléphone na parce que za sur surchargé vraiment. Merci Mingi, Nabino Nyosoyo, Boutunaki Mituna Pesbozubiano, peut-être dans l'émission Oyo. Ceux qui ont se plaqué dans l'émission Oyo, likez, partagez, ceux qui ont abonné. Il faut s'abonner pour qu'on m'a moko ya ba membre, ya plateau des éclairés, tope moko ya ba éclairé, ya République démocratique du Congo. Maton de Mingi, nan de kombi à chaque wazaki na shima caméra pour prêter l'émission Oyo. Et comme Nabino, Maton de Mingi, na ba sponsor batou balina ka émission yo mingi apôtre Gérard Kabea oyo azali vraiment mutali boso a simbi émission de Bou Congolais pour être et comme la bino bande de Gwachango pour continuer aussi baye malamu. Merci mingi na l'élu di Lebo circonscription électorale à Lebo papa Freddy Ngwama yepe aussi baye malamu candidat député na bino yoana na Tony Botondi na l'homme de la vérité des urnes Jean-Louis Timba Lana. Merci beaucoup à mon vieux Maurice Kikandala depuis l'Irlande. Naibi que cadre mené na Udopes Azakuna les abattus. Tu peux espérer qu'avec le deuxième mandat Félix Tshisekedi il y aura de bonnes choses parce que Baradiko Bazabi et Baibi pour incarner vision traditionnelle. Merci aussi à Monsieur le maire Adjoint Boniface Mpuma. Depuis France, merci à tous ceux qui soutiennent l'émission de Bou Congolais, Maman Bill Bilonda, Maman Lisette Mumbendou, Papa Kennedy Mukendi, Nara Otanga Bine Bele, Yope, dédicace Mawe Goyaka, ceux qui n'attendent Yote même prochainement. Merci Nabino, pour continuer pour Zala Nabomo, Kopé Nabolingo, Nazali Wazalendo, Nazali Kivoussière, Nazali, partout à travers la République démocratique du Congo. Merci Nabino, tout le monde a dit la prochaine émission. Na ba révélation mususu. Au revoir. Bonjour RDC, bonjour la RDC. Nous vous présentons la TTM, la Tourism Transformation Mission. Nous sommes avec Master P, qui est le réalisateur de ce programme, et au fait usage de Ayaboulé la production pour ce programme. Nous vous présentons la TTM, qui est, n'est-ce pas, un catalyseur pour pouvoir développer les programmes de tourisme de la RDC pour l'Afrique envers le monde. Selon certaines lois, que je vais bientôt vous citer. Merci beaucoup. Je m'appelle Samuel Kasereka Misemengo. Je suis son ambassadeur, je suis son représentant. Je vous remercie. Nous diffusons à partir de l'Afrique du Sud, de la ville de Pretoria en Afrique du Sud, et on voudrait remercier sincèrement notre confrère en RDC, Justice Moshames de la JICAM TV, qui est notre présentateur en RDC à Kinshasa. Merci beaucoup. Sous la réalisation 58-32 de 1975 des Nations Unies, revue et amendée le 23 décembre 2003, la Convention Retosa, Regional Tourism of Southern Africa du 14 juillet 2015, la loi nationale 46 de 2013 et la loi numéro 3 de 2014. Nous sommes ici pour la promotion du tourisme par tous les moyens appropriés et coordination de toutes les activités du secteur, la promotion du partenariat privé public dans le domaine du tourisme,
la mise en œuvre des traités, conventions et accords régionaux, sous-régionaux et internationaux relatifs au secteur du tourisme. Nous faisons également recours à cette industrie pour combattre la pauvreté et le chômage cuisant qui font ravage en Afrique subsaharienne pour la jeunesse. La tranche d'âge, selon la loi qui est de 18 à 35 ans, les familles monoparentales ou les femmes seules, aussi papa seul, et la famille, la catégorie des personnes vivant avec handicap. Ce sont ceux-là que nous voulons, n'est-ce pas, assister. Deuxièmement, nous voulons attaquer les problèmes de l'économie de la RDC qui représente une transformation structurelle très limitée. Les problèmes de la pauvreté, parce que le tourisme est un bon catalyseur. Nous voulons aussi